Dans le souci de renforcer le pouvoir d'agir, le pouvoir économique de la femme rurale du Kasaï oriental et de l'Omami, Enabel, à travers Prodacor, a appuyé certaines organisations paysannes de base. C'est le cas de l'OPB Promotion de femmes et de filles paysannes. Marie Magnonga, présidente de PFP, reconnaît que depuis mars 2019, l'appui de Enabel en formation et en matériel a permis d'économiser non seulement l'énergie, mais aussi obtenir le produit fini en temps record. Avant d'avoir l'appui d'Enabel, nous nous sommes réunis. Nous sommes forcés quand même, on avait notre malaxère traditionnelle. Quand Enabel est venu, parce qu'il y avait les mamans qui travaillaient toujours avec les machines traditionnelles. Il n'y avait pas les hommes. Il n'y avait pas, en tout cas, l'impact. On souffrait beaucoup avec notre machine traditionnelle ici. Enabel nous a doté une grande machine. C'était au mois de mars 2019. Maintenant, avec la machine ici, en tout cas, il y a de l'impact. Parce que la machine traditionnelle, on ne peut pas faire 2 filles par jour. On peut faire même 1 fille ou bien 1 fille et demie. Maintenant, avec la machine qu'Enabel nous a donnée, nous sommes capables de faire même 10 filles par jour, même 15 filles. Le malaxeur à huile motorisée dont est bénéficiaire l'organisation paysanne PFP aide plus de 8 villages qui apportent leur noix pour l'extraction d'huile. Depuis l'appui de Enabel, Marie Magnonga indique que sa structure est autonome. Nous avons au moins 8 villages qui quittent là-bas, qui amènent les gens et les noix ici. Quand on avait l'ancien malaxeur, c'était les mamans qui produisait là-bas. Dès qu'on avait déjà l'autre malaxeur ici, il y a les papas qui amènent les noix à vélo. Marie Ngondo, chef d'équipe à l'extraction d'huile, estime qu'il y a plusieurs consommateurs de leurs produits. Elle revient sur quelques-uns. Il y a les couvents des sœurs, il y a l'hôpital Christ-Roi, il y a aussi la gare SNCC. En Bougimaï, oui, nous amenons aussi là, le grand marché même des Ditou. Selon Marie Magnonga, la quantité de production a augmenté depuis l'acquisition de ce malaxeur motorisé. Quand on exploitait la machine traditionnelle, la quantité même d'huile là n'était pas suffisante. Il y avait un fil, on produisait 20 litres à 25 litres. Maintenant, avec la machine moderne, Nous produisons 25 à 30, à défaut même 32 litres. On vendait, les mamans quittaient le village pour venir acheter. Maintenant, avec Enabel en tout cas, moi je ne sais pas quoi dire à Enabel. Je suis très très contente. On nous a doté les bidons, on nous a doté les emballages. Pour le moment, nous les vendons toujours avec des emballages. On ne va jamais dans des bouteilles, bien dans des falcons. Nous avons notre échantillon ici. Ça, c'est le fruit d'Enabel. C'est Enabel qui nous a donné ça.